Bonjour à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, oui mesdames et messieurs, en ce lundi c'est le début de quelque chose que vous adorez évidemment, les Panini Tour de France 2022. Alors au programme, aujourd'hui nous allons ouvrir 14 packs que j'ai pas encore commencé hein, mais là en fond j'ai le match de La Rochelle, mais en tout cas j'ai hâte. C'est une série que vous affectionnez sur la chaîne YouTube plutôt bien, donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qu'on va faire. Je sais que vous adorez machin, donc voilà, il reste quelques vidéos encore. Au moment où je tourne, bah on est samedi, donc vous avez encore du Pro Leader. Il reste 3 épisodes de Pro Leader, il reste 3 de Pro Team. Il nous reste un débrief sur le Giro. Il nous reste une vidéo par rapport à TD23. La programmation, 2 vidéos Panini. Une vidéo sur la programmation des vidéos sur la chaîne. Attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit débrief, TD23, programmation, oui. Et 2 sur Panini, donc je crois qu'on est à peu près stable. Donc, même plus que 2 épisodes de Pro Leader. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'était Cyclisme 3D, à tout de suite. On a un petit problème, c'est que ça a eu du mal à enregistrer. Il y a eu un échec d'enregistrement avec téléphone, donc je dis que c'est la qualité meilleure hein, que sur. Avec le caméscope, forcément, vu qu'il y a des années d'écart, même si j'avais plus trop de place après ROM. Là, je suis quand même repassé à 4 Go de place. Des fois, j'avais fini avec 0,05 Go après un jour à ROM. Donc, j'ai eu cette horreur, j'ai eu le vélo groupe à MFDJ. Mais cette horreur, j'avais vu avant. C'est parce que quand on ouvre le paquet, je vous parle avant, mais après, je retourne. Sauf que pendant quelques instants, j'avais vu aussi la porte. Wildshine, Maxo, Soundcrack Anderson. Donc, Maxo qui est la mascotte. Hein. Sylvain Dillier aussi. On a le vélo Trek, on a Bittner, on a Caruso, Gradec. Caruso est 2 étapes qui a emporté sur le Tour de France, hein, c'est des contrôles à mont de pike en, en 2015 à Plumelec et en 2018. J'ai juste en fond le match de La Rochelle Mühlberger, Dylan Teuns, Oliver Nassen, Roxane Fournier, il y a 10 pages hein, sur le Tour de France même quand j'ai feuilleté, mais c'est juste les leaders qui mettent le maillot du Noix et Scarset et également le Intermarché Circus ou Anti-Gobert l'équipe. Et on a juste Gradec aussi qui est encore présent ici, avec la qualité pas mal. Oh, j'ai vu des trucs là. On a juste Marc Soler hein, au passage. L'espagnol coéquipier de Tadej Pogacar, c'est un peu le bordel avec les stickers, hein, mais vous inquiétez pas. On va essayer de faire des tas un peu constructifs. Le maillot Total Energy, donc ça ira là-bas. Mais surtout, j'ai vu ça, Vingegaard, pour en souvenir de l'an dernier, Tour de France 2022, le vainqueur. J'essaye un peu, hein, vous inquiétez pas. Le IF Education, le vélo. Et le maillot de UAE. Je suis un peu le bordel en même temps, j'ai une ouverture de 14 packs. Je sais pas si j'en ai déjà fait autant. Celle-ci aussi, j'avais vu. C'est le maillot, enfin Mathis Souvel pour Arkea. Et la deuxième double en la présence de Maximilian Wachine. Alors, c'est en rapport avec ce que je vais vous dire. Ça, c'est qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo sur les jeunes talents du cyclisme français. J'avais parlé de lui, mais j'avais parlé de CC Tube et de la Conti Groupama MFDJ. J'avais parlé aussi qu'il y avait, par exemple, comment ça s'appelle, la format également, bon, Chambéry. Mais j'avais parlé aussi de frère Dater ou de Pitcock qui était d'un Continental Groupama. Mais c'est vrai que j'avais pas. J'avais parlé de Godu, je crois, de Madouas, d'Armirail chez Groupama. J'avais parlé de La Fèche chez Cofidis, de Marlon Gaillard, de Valentin Ferron ou Mathieu Burgodo chez Total, par exemple, comme ici. Et Cherka, j'avais pas spécialement parlé de coureurs, mais je sais qu'également chez AG2R, j'avais parlé de Champoussin et d'Aurélien Parépeintre. Mais j'avais vraiment parlé que de coureurs qu'on connaissait déjà, alors que si j'aurais fait un vrai travail, j'aurais parlé de Grégoire, de Martinez, de Louis Touze et compagnie, enfin de toute la génération qu'on parle, et il en fait partie, et j'en ai parlé à l'époque. C'est Hugo Page pour Intermarché ou Anti-Circus Gobert, des top 10 en dernier des étapes du Dauphiné, et une chute aussi au champion de France, Wout Poels qui est là, qui était pas mal en chrono chez jeunes et qui maintenant est devenu sprinter, né en 2001. Et le vélo de la Quickstep, Soudal Quickstep, hein, alors on va prendre ce tas là comme ça, ça nous libérera l'album, ce qui nous permettra de voir le vélo de la Movistar. Ben Turner pour la Ineos. Est-ce qu'on a un truc d'Ineos? Oui, c'est ici. On commence à mettre des teints, vous inquiétez pas. La ville d'Issoire. J'ai pas encore en tête le parcours, donc je peux pas vous dire. On a Rémi Cavagna, le lancer champion de France du chrono pour Soudal Quickstep, aussi vainqueur par le passé d'étape sur la Vuelta en 2019, travers la Flandre occidentale en 2018. Enfin, il y a pas mal de courses aussi. Pas trop sur les chronos, mais souvent en échappé, surtout là on voit Simon Yates, et boum, Simon Yates vainqueur à Bagnères de Bigorre sur le tour, et auprès d'Alice en 2019, et mais également si vainqueur d'étape sur le Giro par le passé, vainqueur de la Volta en 2018, donc Simon voilà, Gianni Vermeer, celle-ci je l'avais vu aussi pour Alpecin de Koenig, Tige Benoît,
pardon, pour le team Jumbo-Visma. L'équipe d'IF Education Easy Post. Case ball pour Astana, le sprinter qui aurait pu faire partie de l'information BNB Hotel Ville de Paris, enfin voilà. Et Mathieu Burgaud, on parlait de lui il y a quelques instants, vainqueur d'étape sur Paris-Nice en dernier. Le puncher qui n'a plus la moustache style à la fille, enfin moustache book. Et on va juste parce que là on a encore quelques tas. Ne vous inquiétez pas, la vidéo on est loin d'être terminée. On a le logo de l'équipe Alpecin de Koenig avec le sponsorisé par Canyon. Là on commence à avoir pas mal de stickers, mais bon, on est sur 90. Algi Insurance avec Ashley Woolman Passio. La sud-africaine qui était avant chez. Chez Z-Works l'an dernier, vainqueur du Tour de Romandie, il me semble. Non, le Tour de Romandie, c'était une équipière de Van Vleuten, je crois. Mais grosso modo, voilà. Tiens, on parlait de lui aussi tout à l'heure, Valentin Ferron. Comme quoi, et Woolman qui fait partie des Gene Science qui est sous la Quickstep, qui est grosso modo l'équipe féminine de Quickstep. André Amador, équipier hein, par le passé chez Ineos, et qui avait fait des top 10 sur le Giro, qui était le premier costaricien à avoir performé là-dessus. Enfin, sur un grand tour. Et alors que c'est vrai que Louvel n'a pas fait des excellents classiques pavés cette année, mais on a pour l'accompagner du coup chez Arkea, l'équipe Arkea Pro Cycling Team qui est chez sur le tour. Enfin, qui est oui sur le tour d'Italie, mais par contre, le problème d'Arkea sur le tour, c'est que Baril aura pas mal, on aura déjà le Giro dans les jambes. Ils auront plus, ils auront pas Vauclin, donc ça va être un peu compliqué, surtout Quintana n'est plus dans cette équipe. Hein. Suite à son histoire de dopage, et qu'il est maintenant dans une équipe colombienne, je crois, tout comme à Medellin, Miguel Entre Lopez. Hop là, Lawson Craddock, on s'en souvient à l'époque, il avait fini dernier tour 2018 de la première étape, mais c'était notamment suite à une chute avec une fracture de la clavicule, je crois, et à chaque étape terminée, ça donnait de l'argent pour un vélodrome qui devait rénover après un ouragan aux États-Unis, la Reims, donc ça c'est l'étape 5. Yonis Aguirre pour Cofidis, le grimpeur basque qui a fini 3ème du Tour du Pays Basque cette année. Et justement, lui, il est enfin toujours sur le Pays Basque. L'équipe Alpecin de Koenig, on voit VDP notamment. Marco Haller pour la Bora Hansgrohe. On n'a toujours pas de Bora, mais il va aller quelque part, il va aller là. C'est vrai qu'il nous reste déjà plus que 4 paquets à se dévoiler. Avec Christopher Froome, celle-ci j'avais vu. Quintuple vainqueur du Tour de France par le passé, cette étape sur le Tour, vainqueur des 3 grands tours. Et Van Garcia Cortina pour la Movistar Team. L'Espagne, bon, de toute façon Froome on ne le présente plus, hein, mais voilà. Mathieu Dinam pour le grimpeur du coup. Et l'autre il était quoi? Il était un sprint, puncher pour DSM, le team DSM. Le maillot d'Arkea Pro Cycling Team. Arkea Samsic Pro Cycling Team. Et Veronica Ewers pour l'équipe. Il y a Education Easy Post chez Féminine. Je vais juste également prendre un de nos derniers paquets. Hein. On sera à 90 stickers dès le début. Celle-ci aussi, j'avais vu Michael Morkov. Qui va aller ici d'ailleurs, l'excuse hein, de IF hier pour pas rouler avec Pino. Mon jeton c'était parce qu'il y avait le classement général avec CPDA. Et en parlant de ça, on a Hugh Carty aujourd'hui. Hugh Carty, ça va aller là. Pierre Latour. Sauf que là en dessous, j'ai vu une très 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 belle carte. Mais je vais pas vous la montrer tout de suite. Bah, c'est une aussi très belle carte, Tobias Allan du Hansen. Ancien vainqueur d'étape, j'allais dire sur le Tour de l'Avenir. Je crois que c'est ça. Hein. Mais surtout vainqueur l'an dernier. Alors que je vois la Rochelle soulever les trophées en championship. Mais surtout bah, vainqueur d'étape l'an dernier et deuxième. Deuxième ou troisième? Non, vainqueur d'étape en tout cas, ça c'est sûr. Et troisième. Sur le Tour. Sur l'étoile de Bessèges. Aussi maillot blanc sur Paris-Nice en dernier. Sur le Dauphiné, pardon, dans le top 10. Et Wout Van Aert. Alors, celle-ci, bon, Van Aert, triple champion du monde de cyclocross. Vainqueur de Milan-Sanremo. Vainqueur de 10 étapes, comme c'est mis sur le Tour de France. Maillot vert l'an dernier. Maillot vert, et ça, j'avais presque oublié. Hein. Mais à la fois du Dauphiné de Paris-Nice, plus des étapes. Ce qui montre que bah, c'est juste à la stat que j'avais oublié qu'il avait remporté le maillot vert. C'est 3 des épreuves course sur le Tour, pardon, organisées en France. Et également aussi Wout Van Aert. C'est. L'Estrade Bianche. Aussi un grand game 2 GPE 3 et j'en passe aussi les victoires hein, mais on peut signaler aussi j'allais oublier le Loomloopen Newsblad. On a Danny Van Poppel qui va aller ici pour Bora, Rafał Majka pour sa vainqueur du maillot à poids et 3 étapes sur le tour et des tonnes sur le Giro pour UAE et aussi voilà 2018 Garrett Thomas parce qu'en fait ils ont fait une page avec les 5 coureurs qui sont encore en carrière, si on peut dire ça, qui ont remporté le tour. Donc il y aura une carte Froome, il y aura une carte Garen Thomas, il y aura une carte Pogacar du coup.
Egan Bernal et Vingegaard du coup, Michael Matthews pour Baketch et Jayco, enfin Jayco Alula pardon, il va aller là, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, Matthews qui a remporté la troisième étape du Giro hier, et Anthony Perez, équipier de chez Cofidis, mais vainqueur notamment cette année de la Drôme Classique. Et puis aussi, pour le Tour de France, Sam l'affiche. Fabio Jakobsen pour la Quickstep, la Soudal Quickstep, pardon, vainqueur d'étape l'an dernier sur le Tour. On va parler de sa chute, hein, pas forcément dans cette vidéo, mais champion d'Europe notamment, vainqueur d'étape et maillot de meilleur sprinter sur le la Vuelta 2021. Je vais juste rajouter Froome là, hop là. Florian Vermeer, deuxième de Paris-Roubaix l'an dernier, en 2021, pardon. Et en triple Camille Gardeck. Et puis nous, on se retrouve tout de suite et j'ai tout collé. Et donc, nous allons continuer avec cet album Panini. Donc voilà, après plusieurs heures. Donc, on voit Vingegaard, évidemment. On voit consultant Philippe Gilbert. J'aborde cette 110e édition du Tour de France avec un tout nouveau regard après avoir été l'un des acteurs à 12 reprises. Je serai désormais l'un de ceux qui en fera le récit au micro de Eurosport 14 ans après avoir eu l'honneur de revêtir le maillot jaune. Et donc, 14 ans, c'était il y a 12 ans, quoi. Il parle de 2011. Hein. C'est donc un tout nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi et j'ai hâte de pouvoir témoigner ce que représente le tour de de partager mon expérience avec les téléspectateurs, de raconter ce que la plus grande course cycliste du monde évoque pour chacun des coureurs, des équipes et des techniciens, des prouesses physiques aux optimisations techniques, des stratégies fructueuses au coup de génie, de la joie à la déception passant par tous les doutes. Le Tour de France n'a d'autre équivalent, 3 semaines totalement uniques dans la vie d'un coureur. Participe au tour de France et s'inscrire dans l'histoire, et je suis d'ailleurs très heureux qu'elle s'écrive désormais également féminin. C'est l'histoire de notre sport depuis un siècle et dans laquelle le nom des plus grands coureurs est inscrit, mais aussi l'histoire de notre enfance, une Madeleine de Proust, des souvenirs gravés de nos étés devant les écrans à collecter ces précieuses vignettes pour notre album Panini, le visage de ceux qui nous ont donné l'envie d'y prendre part, devenir l'un d'eux et de s'attaquer à ces étapes mythiques. Bon, voilà, on voit les instantanés précédents. Récommande les instantanés du Tour de France 2023 complète à ses collections avant à 100%. On sait très bien que c'est pour les étapes. Bon, on a donc la mascotte qui est là. Un coup d'œil. Bon, les statistiques on connaît. On a donc, comme j'ai dit, Geraint Thomas et Vinge. Bon, il y aura du coup ici Bernal, Froome, Pogacar et Van Vleuten. Ici, bon, c'est les étapes. On connaît. Enfin, même si je sais pas entièrement. Rivier, mais on a grand départ Pays Basque, Bilbao, Vitoria, Gasteiz, San Sebastian, Armoré, Bieta, Exano, Bayonne, Dax, Nogaro, sur l'arrivée sur le circuit de Nogaro, Polarin, ce qu'on a ici, du coup, Tarbes, Cotteret, Camp Basque, Mont-de-Marsan, Bordeaux, Libourne, Limoges, Saint-Léonard, de Noblat, Puy-de-Dôme, Vulcania, Issoire, Clermont-Ferrand, Moulins, Rouen, Belleville en Vaugelais, Châtillon sur Chalaronne, Grand Colombier, Annemasse, Morzine, les Portes du Soleil, Léger, Portes du Soleil, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Passy, Combloux, donc le seul chrono sur Tour de France, hein, de 22 km, en montagne, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel, Moutier, Bourg-en-Bresse, Moirans-Montagne, Poligny. Moirans-Montagne, c'était le départ de l'étape de 2016 entre Moirans-Montagne du coup et Berne, 16e étape. Belfort, Le Marchaine, Fellering, quasiment au même endroit que l'arrivée de la 7e étape du Tour de France l'an dernier. Saint-Quentin-des-Vignes, Paris-Champs-Élysées, où j'espère y être. Donc là, toujours les 7, enfin, le vainqueur des étapes. Là, pareil, le départ. Enfin, ça, c'est le lieu d'arrivée, pardon. Le raid des 4 maillots distinctifs. Et ensuite, bon, les équipes, on a Nassen ici. Et du coup, ensuite, là, on a Nassen chez AG2R. Chez Alpecin, on a l'équipe. On a Krak Andersen, Vermeersch et Sylvain Dillier. Du côté du classe d'Astana, on a Casbol qui est ici. Du côté de Bahrain, Woodpulse, Camille Gradec et Damien Occaruso, une équipe qu'on a eu l'an dernier sur le Tour de France en intégralité, enfin tour en réel qui s'est pas fini en temps réel parce que j'ai eu un problème. David Nivan Poppel, Marco Haller, je regarde juste, on a toujours Walshide, Gradec et Gradec, hein. Vous savez,
J'ai que deux stickers, enfin deux stickers, j'ai deux coureurs parce que Kradek en soi et je l'en triple. On a Yonis Rigueiré, Anthony Perez, Maximilian Wachet pour Cofidis. Ici j'avais dit que c'était Marco Haller et Danny Van Poppel, oui je crois. Ensuite nous avons le vélo, l'équipe pour Yefid Kachan, Easy Post comme André Amador et Hugh Carty. Du côté de Groupama MDJ, nous avons le vélo, puis Michael Stora. Est-ce que j'ai pas loupé une page? Non, c'est bon. Ensuite, nous allons voir côté Ineos Grenadier, nous avons le logo de l'équipe, également Ben Turner. Du côté d'Intermarché Wanty Gobet, Intermarché Circus Wanty, nous avons l'équipe plus, qui ici, hein, plus Hugo Page. Du côté d'Israël Première Tech, nous avons le vélo, Chris Froome et The Antons. Du côté de l'Auto Destiny, nous avons Florian Vermersch. Du côté de Movistar, nous avons le vélo, Grégoire Mühlberger et Ivan Garcia Cortina. En gros, on a à peu près toutes les pages pour le moment. On a le vélo, enfin côté Quickstep Alpha Vini, nous avons le vélo, Fabien Jakobsen, Michael Morkov et Rémi Cavagna. Du côté de l'Arkea Samsic, nous avons l'équipe, le maillot et Mathis Louvel. Voilà, mais grosso modo, en soi, ça va encore, hein, on progresse. Pavel Brittner, Mathieu Dinam pour team, le team DSM. Nous avons Lawson Craddock, Michael Matthews et Simon Yates pour le team Jaco Alula. Du côté du team Jumbo-Visma, nous avons Wout Van Aert, Tish Benoit et Christophe Laporte. Du côté du team Total Energy, nous avons le vélo, Paul Pierre Latour, Paul Mathieu Burgodeau et Valentin Ferron, j'allais dire Paul Ursulin, pas du tout. Nous avons le vélo côté Trek Segafredo. Du côté du AE, nous avons le maillot Rafał Majka et Marc Soler. En soi, c'est bien d'avoir pris 90 stickers pour 14,95€. Tobias Alandu Hansen, le maillot pour une X plus Tobias Alandu Hansen et Anders Karset. Nous avons l'affiche du Tour de France Femmes avec toujours les statistiques, hein, le parcours. Nous avons Véronica Ewers pour IF Education Easy Post. IF Education Tipco SVB. Bon, après, nous avons juste une coureuse, hein, par équipe, grosso modo. Des fois, il y en a qu'on dit coureur avec un E ou coureuse. Enfin, bref. Et puis, nous avons Ashley Woolman Pastio pour Team AG. Enfin, AG Insurance Soudal Quick Step Team. Donc, l'équipe féminine de la Quick Step. Et nous avons Roxane Fournier pour Saint-Michel Mavic Aubert 93. Puis, évidemment, les lauréats des classements distinctifs. Et puis, celle-ci, je ne sais pas du tout laquelle, lesquelles c'est, les deux dernières. Et puis, nous avons pour nous avons les caricatures d'ASO 2, Eurosport, donc de Dadou. Et puis, Radio Officielle du Tour de France. Vive la course en direct du 1er 23 juillet, notamment pendant toutes les 30 minutes de 14h à l'arrivée. Du officiel du Tour de France qui... Bon, toutes les demi-heures, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur ça et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Cette semaine, ça va vraiment être les dernières vidéos avant une semaine de pause. Puis, TDF 23, une autre vidéo panier prévue cette semaine, c'était Cyclisme 3D. Pour tout le monde, prochaine, ciao.